2023. Ce besoin de financement impliquera des efforts du budget de l'État pour un montant de 18,3 milliards de gourdes sur 3 ans, 9,8 milliards de gourdes en 2020-2021, 5,6 milliards de gourdes 2021-2022 et 2,8 milliards de gourdes en 2022-2023. Pour réussir le PREPON, la rénovation du cadre global du budget se veut indispensable et devient l'axe majeur du processus global de réforme des finances publiques. Cela signifie de sortir d'une approche de budget de moyens pour intégrer une logique de budget de résultats qui implique de ne pas se limiter au financement d'actions et projets, mais plutôt de politiques publiques qui apportent des transformations positives dans la vie de nos concitoyens. Cela implique aussi d'accélérer le processus de mise en œuvre de la réforme des finances publiques et de la gouvernance, indispensable pour ancrer durablement notre objectif d'un cadre macroéconomique et financier stable. Nos efforts porteront à la fois sur l'accroissement des performances dans le recouvrement des ressources internes, l'adoption d'une politique d'endettement viable et responsable pour éviter le cercle vicieux du surendettement, une meilleure coordination de l'aide financière et de la coopération avec les partenaires techniques et financiers, la mise à profit des partenariats publics-privés et la recherche de financements innovants axés sur la valorisation et une meilleure gestion des actifs de l'État, l'amélioration de la qualité de la dépense publique en renforçant la planification et les critères de priorisation, l'objectif étant faire plus et mieux avec moins de ressources. Pour atteindre les principaux résultats visés, le plan de relance économique post-COVID table aussi sur un renforcement du pilotage et de la coordination dans la mise en œuvre, qui rend aussi indispensable une bonne collaboration et concertation des différents acteurs. Permettez-moi de souligner que cette démarche inclusive et patiente adoptée lors du processus de l'élaboration de ce plan devra se poursuivre pour favoriser la convergence des énergies vers la poursuite d'objectifs de développement communs et partagés. C'est un défi majeur qu'il convient de relever pour gagner le pari de l'émergence économique. Je veux aussi signaler que l'intérêt et la collaboration affirmés des acteurs non étatiques consultés au cours du processus nous rassurent de leur ferme volonté de s'impliquer dans une nouvelle dynamique de collaboration pour la relance de l'économie. Au niveau du secteur public, la dynamique adoptée pour l'élaboration du PREPOC a permis de mettre en exergue la bonne collaboration entre les différentes entités engagées dans cet exercice qui, sans embâche, peut être qualifié d'exercice réussi. Nous devons de systématiser cette concertation pour renforcer l'articulation des politiques et garantir ainsi leur efficacité par l'inclusion des acteurs non étatiques. La mise en place d'une entité de pilotage et de coordination est un point de départ dans le processus de mise en œuvre du PREPOC. Elle doit définir rapidement un agenda d'action, des matrices de suivi, la stratégie de mobilisation des ressources et engagera aussi une revue ciblée de politiques publiques et projets en cours dans les domaines prioritaires afin d'articuler les recommandations et envisager des initiatives en vue de garantir leur efficacité et leur efficience. Cela est urgent, notamment pour les dispositifs de soutien aux PME dans les secteurs porteurs et aussi pour les politiques sociales dans l'objectif d'avoir un impact rapide sur les conditions de vie des catégories les plus vulnérables. Mesdames, Messieurs, ce plan de relance offre aujourd'hui l'opportunité pour un pacte, un engagement responsable, solidaire et intelligent en vue de travailler à relever notre économie et améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. C'est le choix qui s'impose à nous en tant que citoyens soucieux du bien collectif
des générations futures et de notre dignité. Messieurs, permettez-moi de rappeler que depuis son investiture, le président de la République, M. Jovenel Moïse, a exprimé son ambition d'approfondir les réformes et de réaliser un ensemble de projets structurants afin de construire les bases d'une croissance forte et soutenue de l'économie pour améliorer significativement le niveau et les conditions de vie des Haïtiens, en particulier les plus défavorisés. Au centre de la vision pour le développement économique et social préconisée pour notre pays se trouvent l'agriculture, l'agrotransformation comme moteur de l'économie, la réforme du secteur de l'énergie pour améliorer la qualité des services et son accessibilité, l'état de droit, la création d'emplois durables, la protection de l'environnement et le développement de l'industrie touristique en y ajoutant l'écotourisme et l'agrotourisme. Le développement du capital humain est au centre de ses priorités, incluant l'accès à tous à l'éducation et à la santé. Dans ce contexte d'urgence et de perturbations causées par la longue crise sociale et politique et la crise sanitaire découlant de la pandémie du coronavirus, il devient nécessaire de renforcer la cohérence au niveau de l'action gouvernementale, d'introduire plus de rationalité dans la gestion des maigres ressources de l'État afin de maintenir le cap sur la vision de développement sur laquelle le président de la République s'est engagé envers la nation. Je me permets de noter trois grandes priorités d'action ont ainsi été retenues par mon gouvernement avec l'accord bien sûr du président de la République, qui sont la sécurité et l'état de droit, la protection sociale et la relance de l'économie. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de présenter le programme de relance économique et des réponses post-COVID de PREPOC, élaboré sous l'impulsion du président de la République, en vue d'apporter des redressements et réponses appropriées aux urgences et de faciliter les objectifs de relance économique et de réduction de la pauvreté et des inégalités. Quand le président de la République m'a appelé, je crois que c'était le 22 mars, pour me demander ce plan, ben, je me suis dit, ben, écoutez, bon, je viens d'arriver le 4 mars et on a découvert les premiers cas. Et là, on était en train de nous préparer à tous les problèmes du monde et le président de la République, vers 2 heures du matin, s'est réveillé pour demander qu'on prépare un plan d'après COVID-19. C'est-à-dire, c'est un président qui anticipe sur les événements. Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Normalement, j'aurais dû seulement remettre ce travail au président de la République. Mais je vous remercie d'être là aujourd'hui pour parler de ce programme élaboré sous le leadership des ministères de la Planification et de la Coopération externe, de l'Économie et des Finances, et tire aussi sa pertinence sociale et sa légitimité dans la participation de tous les acteurs sociaux, incluant la prise en compte de la vision consacrée par le PSDH, les résultats des États généraux, les objectifs de développement durable, des consultations avec la société civile et l'université, le secteur des affaires, une collaboration forte des différents ministères et organismes de l'État. Le PREPOC a aussi bénéficié de la collaboration de plusieurs de nos partenaires de développement. À travers le PREPOC, le gouvernement entend répondre à des enjeux majeurs qui sont de créer la confiance, freiner la dégradation des conditions de vie et poser les bases économiques et managériales pour que la décennie 2020 soit celle de l'ancrage vers l'émergence économique et sociale d'Haïti. C'est pourquoi ce plan cherche à traiter non seulement les séquelles des chocs, mais aussi accélérer des réformes fondamentales et favoriser la mise en œuvre d'un modèle économique de développement répondant au mieux
aux conditions du pays et aspirations du peuple haïtien. L'objectif final du PREPORC est d'orienter les ressources pour cibler des impacts et améliorations rapides et durables dans la vie des citoyens. Le PREPORC, comme vient de le dire notre ministre des Finances, s'articule sur 6 piliers d'action. Et je demande aux mandataires du gouvernement et aux différents corps et institutions de l'État de s'engager en vue de les consolider. Le pilier 1, c'est la diversification et l'élargissement de la base productive. Il s'agit de stimuler les revenus et l'emploi tout en redressant cette forte dépendance caractérisée par une situation où les importations représentent 43% du produit intérieur brut, tandis que les exportations ne permettent de financer que seulement 20% des importations. Cela se fera en levant les contraintes et en renforçant les infrastructures et services de support indispensables au secteur de l'agriculture, de l'agro-industrie, du textile, de la construction, du tourisme, de l'artisanat et du numérique en particulier. Le pilier 2, c'est l'amélioration des infrastructures et services. Il s'agit de renforcer la disponibilité et l'accessibilité des services et des infrastructures, et en particulier aux populations enclavées, dépourvues et aux producteurs. En priorité, des infrastructures et services de transport, de communication, d'énergie, d'irrigation, avec un accent particulier sur les systèmes de durabilité, incluant la maintenance, l'entretien, le financement, la planification de portefeuille de projets viables. Et concernant ce pilier, je vous invite à faire le déplacement à travers le pays. Vous allez voir ce qui est en train de se faire dans le Nord-Ouest, dans le Nord-Est et un peu partout dans le pays, mais je choisis de vous inviter à visiter ces deux départements et vous serez surpris de ce qui est en train d'être fait là-bas. Le pilier 3, c'est le renforcement de la sécurité intérieure et des frontières, ainsi que l'état de droit. Il faut que la paix et la sérénité reviennent dans les familles et que l'activité économique se redynamise, et ceci sur tout le territoire national. Nous prévoyons de continuer à renforcer les infrastructures et dispositifs de sécurité, de renseignement et d'intelligence. J'ai bien dit de renseignement et d'intelligence, de lutte contre la contrebande. Les capacités de la police nationale dans la lutte contre le banditisme et la prolifération des armes, de renforcer le système judiciaire et la lutte contre la corruption. Le pilier 4, développement humain et l'inclusion sociale, le PREPORC met l'accent sur la qualité et l'accessibilité des soins de santé, de l'éducation, sur l'amélioration de la nutrition et de la sécurité alimentaire, en particulier pour les enfants et les plus démunis, sur la mise en capacité des ressources humaines, de leur intégration au processus de développement économique, sur l'opérationnalisation de la police nationale, de la protection de la promotion sociale, le PNPPS. Nous avons fait le pari, partager le rêve de mettre Haïti en chantier. Notre volonté est de dynamiser l'emploi et de créer de revenus, de démanteler les fondements des inégalités sociales criantes, de dire non à l'inacceptable. Cela a toujours été ma conception du vote populaire qui m'a valu d'accéder à la magistrature suprême depuis bientôt 4 ans. C'est en ce sens que l'un de mes premiers actes a été de rendre disponibles des équipements et techniciens à travers les 10 départements géographiques du pays pour engager un vaste programme d'infrastructures routières. Mais comme de coutume, et encore plus que mes prédécesseurs, je me suis retrouvé comme dans un permanent combat. J'ai dû faire face à diverses formes d'attaques répétées et nourries. Pays loc, violence,
manifestations intermittentes, insécurité programmée, etc. Le mal est profond, plus profond que vous sauriez l'imaginer. D'énormes barrières sont érigées pour bloquer toute tentative de changer ce système pourri, révolu, qui n'a fait que générer la pauvreté et l'inégalité sociale. C'est une lutte féroce. Les forces d'inertie, les forces rétrogrades préfèrent le chaos à une entente historique pour sceller les bases de la stabilité politique indispensable au progrès économique et social auquel le peuple haïtien aspire. Chaque année de plus, les problèmes non résolus s'empilent, empirent et l'impatience de la population grandit. Notre produit intérieur brut par tête d'habitant qui avait cru de 4,8% en 2017 et de 5,9% en 2018 en dollars américains a fortement chuté depuis, terrassé par des mois de troubles politiques et d'entraves aux activités économiques, puis par la pandémie de COVID-19. Pour retrouver le niveau du PIB nominal par tête d'habitant de 2014 en dollars, celui-ci devrait croître de plus de 3,3% par an sur les trois prochaines années. Mais ce ne sera pas un grand défi à relever si notre nation s'y engage. Notre vrai défi est d'élargir sur une base durable et soutenue la taille de notre économie, d'accroître la richesse nationale, d'augmenter la taille du gâteau de manière telle que chacun y trouve une part satisfaisante. La réalité est qu'aucun pays n'a pu renforcer sa base économique en absence de stabilité politique. Comme je l'ai toujours dit, la stabilité politique est le premier des biens publics. C'est pourquoi nous devons tout faire pour le triomphe de la démocratie. C'est pourquoi nous devons prioriser le dialogue qui est la voie de l'intelligence et de la responsabilité citoyenne. Concrétiser ce dialogue sincère, ouvert, essentiel, indispensable pour poser les bases d'une gouvernance efficiente et efficace, seule capable d'assurer la sérénité nécessaire pour s'attaquer aux maux profonds dont souffrent la société et l'économie haïtienne. L'indice du capital humain calculé par la Banque mondiale nous interpelle. On y apprend qu'en moyenne, un enfant né aujourd'hui en Haïti a un potentiel à l'âge adulte évalué à 45% de ce qu'il aurait pu avoir s'il avait bénéficié d'une éducation et d'une santé complète. Cela signifie que le coût social, le coût économique de la pauvreté et des inégalités est immense. Nous nous devons d'y remédier pour la survie de notre nation, pour notre bien-être à tous. De pays loc à COVID-19, en y ajoutant la vague de banditisme actuelle, notre économie et notre population continuent de payer un assez lourd tribut qui les met à genoux. Cela ne peut plus continuer. Sur la base d'une analyse, d'une autocritique sans complaisance, nous devons tirer les leçons du passé pour ensemble aborder notre avenir sur de nouvelles bases si nous ne voulons pas continuer à présenter cette face déplaisante du pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental. Pourquoi sacrifier des générations d'hommes et de femmes qui n'aspirent qu'à contribuer au relèvement de notre nation? Comment continuer à sacrifier des hommes et des femmes qui veulent développer et mettre à profit leurs talents pour s'affirmer et réaliser le rêve de nos ancêtres d'une Haïti prospère, libre et digne?
malgré les contraintes de toutes sortes, mon administration s'est mobilisée pour consolider des piliers de la croissance durable et forte. Cette consolidation s'est faite à travers la poursuite du programme de modernisation du secteur de l'énergie, le développement des infrastructures de transport, l'amélioration du potentiel d'irrigation pour augmenter la production et la productivité agricole et ainsi lutter contre l'insécurité alimentaire pour la protection et la régénération de notre environnement. Dans le secteur de l'énergie, nous sommes en train de travailler pour construire des réseaux électriques à travers tout le pays. Nous avons aujourd'hui en Haïti près d'une cinquantaine de villes qui n'ont pas de réseau électrique. Et pourtant, ce sont des Haïtiens qui vivent dans ces endroits. Aujourd'hui, en Haïti, seulement 30% d'Haïtiens ont accès à l'électricité. Et pourtant, les 70% restants sont des Haïtiens. Nous sommes en train de travailler pour construire des centrales électriques à travers tout le pays, comme nous l'avons déjà fait à Jérémy, à Petit Gouave. Maintenant, nous sommes en train de travailler pour construire, pour augmenter la capacité des centrales électriques de Fort-Liberté, de Cap-Haïtien. Nous sommes en train maintenant de construire une centrale électrique à Port-de-Paix. Nous allons construire une centrale électrique à Saint-Raphaël. Et nous sommes en train de réhabiliter, je dirais, nous sommes en train de mettre à neuf la centrale électrique de Douai. Nous allons augmenter la capacité de la centrale électrique de Saint-Marc. Nous allons augmenter la capacité de la centrale électrique de Petit-Gouave, de Jacmel, d'Ercaille. Nous allons construire une centrale électrique neuve à Miragouane. Et ceci, tous ces travaux doivent être réalisés au premier trimestre de 2021. Nous sommes en train de travailler pour mettre la lumière là où il y a le ténèbre. Parce que les yeux du peuple haïtien sont ouverts aujourd'hui. Nous devons continuer sur cette lancée parce que Haïti a besoin d'hommes et de femmes courageux pour sortir ce pays de l'ornière du sous-développement, de l'enfer, de l'instabilité politique.